S'il vous plaît, monsieur le président à droite, tournez-vous un tout petit peu vers la gauche. Quel président ? Ben vous. Moi. Je sais pas ce que vous avez dit à François, mais depuis que vous vous êtes parlé, il n'est plus le même homme. On peut même dire qu'il est en pleine rechute. Merde ! De quoi vous avez parlé tous les deux ? De quoi on a parlé ? Oui, tous les deux. Macron, ça vous fait plus rien ? La trahison, l'humiliation, tout ça ? Rien du tout. Pas ça. Et si t'arrives ? Me dis pas que vous avez reparlé de Macron. Mais pas du tout. On commence à créer un parti. Je sais pas, la France pour toujours, par exemple. Bonjour à tous. On fait la campagne, et on est élu. Et la démocratie est sauvée, voilà, en gros. Depuis que je suis ici, je suis assaillie par des mots et des notes qui me viennent de tous les côtés. C'est comme un bombardement permanent. Vous êtes inspiré, quoi. Oui, je comprends pas, je croyais que t'étais guéri. J'étais président de la République, c'est pas une maladie. C'est un honneur suprême et une bénédiction des dieux. Ben, ça se discute, hein. Non, ça se discute pas. Il est vraiment bon, ce pâté. C'est Isabelle qui fait ça ? Les femmes au fourneau, ça marche peut-être encore dans votre 16e arrondissement, mais dans la vraie vie, on n'en est plus là, quoi. Dans mon 16e arrondissement, comme vous dites, c'est ni homme ni femme, c'est traiteur, déjà. Et en plus, c'était génial, votre truc du président normal. Ça veut absolument rien dire. Et en même temps, c'est évident. C'est pas resté évident très longtemps. Nous avons déjà consulté nos amis d'Europe et Clol. D'Europe et Clol. J'arrive jamais avec leur nom à la con. Europe. Écologie. Écologique. Europe, écologie, les verts. Europe et Clologie. Vous le faites exprès. Non. Hier, bitte. Jetzt bist du mir. Zu mir.